Si vous allez faire vos courses prochainement, vous remarquerez sans doute des places réservées aux femmes enceintes ou aux familles, on les appelle les places de courtoisie. Que faire si quelqu'un s'y gare alors qu'il n'y a théoriquement pas le droit? Malheureusement, pas grand-chose. Pour l'instant, il est impossible de punir la personne parce que ces places n'ont aucune valeur légale. Les panneaux ne sont pas dans le code de la route, précise Benoît Godard, porte-parole de l'Institut VIA. De ce fait, la police ne peut pas faire grand-chose, elle ne peut pas intervenir dans un parking public pour cette raison. Pareil pour le gérant, celui-ci n'a pas le droit de faire dépanner la voiture si jamais ce cas de figure se présenterait. Ce sont des panneaux qui incitent à la courtoisie. Mais à partir du moment où l'automobiliste ne le respecte pas, le gérant ne peut que faire une remarque verbale ou éventuellement glisser un papier sous les essuie-glaces. Une explication qui convient parfaitement à Maxime, employé du Décathlon de Namur. Notre rôle n'est pas de jouer à la police. Heureusement, on n'a que très peu de personnes qui se garent sur ces emplacements et si c'est le cas, on peut aller leur dire de manière simple de faire attention.